Voici Claudine. Elle travaille dans une organisation nationale pour les droits des femmes. En fait, elle vient tout juste de commencer à travailler. Et sa tâche est importante. Elle travaille avec et soutient les femmes et les filles qui ont survécu à la violence basée sur le genre. Claudine sait que les acteurs humanitaires ont la responsabilité éthique de prévenir et de répondre à la violence basée sur le genre. C'est juste qu'il est parfois difficile de savoir quoi faire et si l'on fait la bonne chose. Heureusement, Claudine connaît les normes minimales interorganisation pour la programmation d'action de lutte contre la VGB dans les situations d'urgence. Et elle a des collègues qui s'engagent également à respecter ces normes, dont Esther, Asma et beaucoup d'autres femmes. Rejoignez leur parcours et écoutez comment elles s'y prennent pour mettre en œuvre les normes minimales en matière de VBG. Cette mini-série spéciale est animée sur le podcast « Protection et autonomisation des femmes ». Était produite par International Rescue Committee en coordination avec l'équipe spéciale du domaine de responsabilité AOR des normes minimales en matière de VBG. Alors, abonnez-vous et écoutez. Vous pouvez même l'écouter avec d'autres personnes et discuter de ce que vous entendez. Utilisez le guide d'animation 6 juin pour discuter de la manière de soutenir efficacement les femmes et les filles dans les situations d'urgence.